Bonsoir Thomas et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour assister ce soir à ce match de poule. Un match qui opposera Bayonne et Carcassonne. À mes côtés ce soir, Thomas Lombard. Dans quelques instants, le début de... Première action du match se fera sur le côté droit. C'est un ballon impeccablement capté par Chauveau. Attention, ça va être un ruck. Ballon dispo pour libérer ce ballon. Roideau qui joue ce ballon à droite vers Bird. Hassler qui s'en sort. Faut du soutien pour le contest. Elle est dispo. Libération, Gimeno. Une mauvaise passe qui n'atteint pas son destinataire. Il a pris l'intervalle, il y va tout seul. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Quelle superbe défense de Beard. Il s'en est fallu de peu. Le ballon va être libéré par Higgins. Et le voilà, le premier essai de ce match. Et voyons maintenant cette transformation. Non, c'est trop à droite ça. En effet, c'est trop à droite. Et ça finit dans ses bras. Il est arrêté. Ballon dispo. Le ballon, le libérer pour Chauveau. Chauveau, et il parvient à libérer malgré le contact. Un ruck à disputer. Ballon Chauveau dispo. Qui vient poser la main sur ce ballon. Quelle défense de Sobus. Ballon Olika, dispo. Il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Fait circuler le ballon. Ah, la passe ratée. Tentative de plaquage. C'est un ruck. Bien plaqué par Oursake. Elle est Chauveau, dispo. Il prend son temps pour cette libération. Passe. Bird, la passe. Ruck pour Carcassonne. Ballon dispo. Plus que la sortie du ballon. Il la joue à la main, vers la gauche. Il fait une passe. Ils vont contester ce ballon. Magnifique plaquage. Pour libérer ce ballon, Chauveau. Libération côté droit. Chauveau avec Beard. Bissuel fait circuler le ballon. Il y a de l'espace sur l'extérieur. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Elle est dispo. Qui permet à la ligue de se réorganiser. Transmission de la balle. Domo Lailai passe son ballon. Il accélère le long de la touche. Et c'est mérité pour Bird. Escalmel à la transformation. C'est dedans. Il a été bon sur ce coup de pied placé. Capté par Renault. Il passe le ballon. Pied plaqué. Ballon Chauveau dispo. Réorganise sa ligne avant de libérer. Le jeu de passe. Alainouessé qui donne à Lazzarotto. Allez, pour venir libérer ce ballon maintenant. Et voilà un coup de pied par-dessus Bayonne. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Tentative de plaquage ratée. Bien plaqué. L'arbitre laisse jouer. Elle est Chauveau dispo. Attend que ce ballon sorte du ruck. Il passe la balle. Le ballon est transmis. Fin de l'avantage. Bissuel. La course est à l'extérieur. Bonne défense. Il faut venir au soutien. Un ballon qui devrait sortir. Chauveau a bien joué ce ballon côté gauche.
Plaquage manqué. Olika qui joue avec Lazzarotto. Un beau décalage sur le côté. Et c'est le deuxième essai dans ce match pour Lazzarotto. Lescalmel avec un coup de pied qui peut aller chercher les deux points de la transformation. Ça passe! Attention, danger là sur l'extérieur avec l'échappée de Barry. Elle est dispo. C'est libéré côté gauche. La passe à la Inouessé avec Olika. Plaquage manqué. Il transmet son ballon. Barit passe au contact pour Hassler. Peut-être de l'espace au large. C'est un plaquage. Latimer qui vient ballon au soutien. Dispo. Chauveau pour une passe côté gauche. La passe manquée de Alain Ouessé. Plaquage réussi. Ça vient au soutien avec Eguinis. Ballon dispo. Et le ballon est dans les bras du demi de mêlée. Plaquage manqué. Jouer. Laisse jouer l'avantage. Ballon dispo. C'est correctement libéré. Et on atteint la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Beau plaquage. Un joueur de plus dans le ruck. Ballon dispo. Qui a du mal à sortir pour Chauveau. L'avantage est terminé. La balle circule bien. Faut aller au large. Bien défendu de la part de Viti. Elle un est ballon dispo. Qui devrait sortir. Tentative de plaquage ratée. Magnifique plaquage de Sobus. Passe manquée. Gimeno qui capte ce ballon aérien. Plaquage trop mou pour arrêter Gimeno. Ballon libéré malgré le plaquage. Barit qui se fait plaquer. Elle pour est libérer dispo. Ce ballon, Chauveau. La passe sur la droite dans les bras de Bissuel. Hassler qui est pris par Argan. Ballon dispo. Lancement du jeu sur la droite. Alain Ouessé, il y a un décalage. Elle ballon faut venir dispo. Libérer ce ballon maintenant. C'est une faute, mais on va jouer l'avantage. Hassler, servi à l'extérieur. Plaquage manqué. Carcassonne à l'origine de ce ruck. Elle est dispo. Chauveau qui va pouvoir lancer le jeu. Et oui, il s'est laissé. Et le botteur qui se met en place pour tenter de marquer deux points supplémentaires. Transformation qui ajoute deux points au... L'arbitre siffle la mi-temps. Encore 40 minutes. Avant la conclusion de cette rencontre, voyons si Bayonne parvient à revenir. Et on va donc assister à une touche de Carcassonne. Apparemment, c'est décidé. Ce sera une touche à 7. Ils ont toujours la possession après cette remise en jeu. En avant, il y a en avant. L'équipe. Flexion. Une mêlée à jouer au milieu du terrain. Jeu. Le ballon est introduit dans cette mêlée.
Le demi de mêlée. Il y a une opportunité sur l'extérieur avec Chauveau. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ballon Olika, il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Olika transmet à Domola Ilaï. Un plaquage qui ne donne rien. C'est un ruck pour Carcassonne. On n'attend plus que la sortie du ballon. Passe à la main sur le côté gauche de Carcassonne. Bissuel fait circuler le ballon. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Ça décide de jouer côté droit. Il fait une passe. Olika résiste au plaquage. Elle est dispo. Ça joue. Un avantage sur cette action. Il fait circuler le ballon. Libère son ballon après le contact. Jolac tente d'arrêter Hassler. Mais il échoue. Ballon dispo. Ça joue. Laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce avantage ballon. Terminé. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Le Elle ballon va être libéré par Hassler. Hassler qui libère sur la gauche. Sarto qui s'arrache pour planter cet essai. Calmel pour transformer l'essai. Et il trouve le chemin des perches. 5 à 28 pour l'équipe de Carcassonne. Il est dessous, impeccable. Ballon tapé au-dessus de la ligne adverse. Un ballon joué au pied qui va leur permettre... Il tente la percée. À grand coup d'épaule, la rentrée dans le reste de Mouété. Avantage. Toujours un avantage. Fin de l'avantage. Il est parti comme une fusée à travers la défense. Faut venir vite déblayer ce ballon. Elle est dispo. Décalé sur la gauche dans les bras de Latimer. Latimer rattrapé par Elle est dispo. Il fallait l'arrêter, il a fait le travail pour revenir. Ballon capté. Au contest pour ce ballon. Ballon Sobus dispo. Attend que ce ballon sorte du... Il prend le trou. Quelle défense de Paris. Ballon Sobus dispo. Qui vient poser la main sur ce ballon. Sobus va assurer 5 points minimum grâce à cet essai. On va suivre le coup de pied de transformation. C'est bien trop court, gros manque de puissance. Ah, il s'est précipité, espérons qu'il se reprenne vite sur son prochain jeu au pied. Ballon bien capté. Un ruck annoncé par l'arbitre. Elle Ça vient pour libérer ce ballon. Domola Ilaï va passer le ballon vers sa droite. Plaquage manqué. Hassler qui s'échappe sur le côté. Le ballon est transmis. Quelle superbe défense de Sobus. Elle est dispo. Il s'en est fallu de peu. Ballon jouable pour le demi de mêlée. C'est intercepté. Passe la balle pendant le plaquage. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Chauveau passe à Roideau. Et il aplatit le ballon dans l'embut. Pour transformer l'essai, place au botteur. Lescalmel. Transformation. Renault qui gagne ce contest aérien. Bien plaqué par Beard. Ballon dispo. Réorganise sa ligne avant de libérer. Ballon libéré correctement sur la gauche. Sarto. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Ballon dispo. Ballon libéré pour Domola Ilaï.
Bird transmet à Bird. Plaquage réussi. Beau plaquage. Un ballon qui a du mal à sortir pour Chauveau. Chauveau mis au sol par Waité. Ballon dispo. Ballon passé à la main côté droit de Carcassonne. Le jeu de passe. Bird qui passe son ballon. Alors il y a une opportunité sur l'extérieur avec Hassler. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Passe. Bird parvient à faire sa passe à Olika. Un beau décalage sur le côté. Et c'est... Sixième tentative de coup de pied pour le botteur. L'escalmel. Et il enquille. Renault à la réception. Un coup de pied pour renvoyer le ballon. Voilà au terme des 80 minutes. Pied plaqué. Jolac qui vient dans ce ruck pour batailler. Il passe le ballon à gauche pour Higuinis. Higuinis, bien pris. Ça vient pour libérer ce ballon. Transmission de la balle. Il crée un point de fixation. Le ballon dispo. Qui devrait sortir. Au plaquage de Beard. Il y a du soutien avec l'arrivée de Highline Wessé. Ballon dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Chauveau tente d'offrir des solutions à l'équipe de Carcassonne avec un jeu au pied. Et voilà, c'est terminé. Victoire de Carcassonne. C'est une sacrée correction à laquelle nous avons pu assister au cours de ce match. Ah, il n'y a qu'à regarder les carreaux scores pour comprendre la différence de performance et de niveau entre ces deux équipes. En effet, Thomas, c'est une victoire écrasante avec un écart de score somme toute considérable. 10 à 42. Et cet écart est dû à la remarquable animation du jeu dont les joueurs ont su faire preuve sur le terrain. Nous allons finalement devoir nous quitter. Un dernier mot, Thomas. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce match. Merci aux équipes pour cette belle soirée et merci à vous, Eric. Ce fut un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau match de rugby. Jusque-là, portez-vous bien.